autel. Tu lui donnes un nom. Et cet autel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. De Dieu vous accompagne. Nous saluons tous les amis de Sherbrooke, de Gatineau, d'Ottawa, de partout à Montréal, de partout au Canada, à Longueuil. Que Dieu vous bénisse de vous joindre à nous. Que Dieu vous bénisse de partager ces numéros à un frère, à un collègue au travail pour que soit aussi béni. Soyez toujours un canal de bénédiction partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sauvés pour sauver d'autres personnes aussi. Amener Jésus-Christ dans la vie des autres, c'est aussi une grande bénédiction. Nous sommes toujours dans le livre des Galates, chapitre 3, au verset 1, où la Bible est en train de dire aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre rubrique où nous sommes en train d'exhorter les peuples de Dieu en ce qui concerne les différentes sortes d'envoûtement, l'envoûtement qui fait partie de la sorcellerie, qui fait partie des armes que le diable utilise pour bloquer, freiner la vie de l'homme dans sa destinée et le bloquer. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avions parlé de l'envoûtement par rapport au caractère et par rapport à nos décisions. Comment l'envoûtement arrive, bien-aimé dans le Seigneur, à bloquer et à nous bloquer et à nous assombrir. Nous avions dit, l'envoûtement, c'est comme une sorte, bien-aimé dans le Seigneur, d'anesthésie où le diable vous injecte pour vous plonger dans l'inconscience, vous déconnecter de toute réalité qui vous environne, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, qui peut être envoûté? Bien-aimé, l'envoûtement, n'importe qui peut être envoûté. Même un enfant de Dieu qui a laissé les portes ouvertes peut être aussi envoûté. Un pasteur peut être envoûté. L'enfant d'un pasteur, la femme d'un pasteur, un diacre, un ancien dans l'église, un prédicateur, une prédicatrice, bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent aussi être envoûtés lorsqu'ils ouvrent les portes et ils s'éloignent de Dieu. L'envoûtement peut être là. Bien-aimé dans le Seigneur, et comment, quelles sont les sources de l'envoûtement? D'où proviennent les envoûtements? Bien-aimé dans le Seigneur, l'envoûtement peut venir aussi de la maison de ton père. L'envoûtement peut venir de la maison de ta mère. Ça veut dire que tes origines, ça peut venir de tes origines. La famille de ton père peut t'envoûter. La famille de ta mère peut t'envoûter. Juste pour bloquer, vu le jalousie dans nos familles d'où nous venons, bien-aimé, ils peuvent se servir de l'envoûtement. Ils savent où est-ce que tu es. Lorsque tu n'es pas prudent, ils peuvent t'envoûter. Ça veut dire qu'ils déposent sur toi une sorte de voile noir afin que l'obscurité puisse envahir ta vie, pour freiner ta progression, pour te pousser à l'erreur et à tomber à leur piège. Pourquoi? Parce que l'envoûtement rend sourd et aveugle. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés qui sont sous l'envoûtement ne voient rien, n'entendent rien et ne sont même pas conscients de leur état d'envoûtement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de source de l'envoûtement, l'envoûtement peut provenir de la maison de ton père. Ils peuvent t'envoûter. Ça peut venir d'une tante, ça peut venir d'un oncle, ça peut venir, bien-aimé, d'un cousin, ça peut venir d'une cousine, ça peut venir d'un frère, ça peut venir même de tes parents. Ils peuvent aussi t'envoûter aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'envoûtement peut venir de la maison de ton père. Tu peux sortir de la maison de ton père envoûté et, bien-aimé, dans le Seigneur, aveuglé par l'envoûtement. Alors, au-delà, bien-aimé, de la maison de nos pères, d'où peut provenir aussi l'envoûtement. L'envoûtement peut venir aussi de l'imposition de main. L'envoûtement peut venir aussi de l'imposition de main. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce midi, je te préviens, ne laissez pas ta tête à n'importe qui. Pourquoi? Parce que une personne qui est envoûtée peut transmettre son envoûtement dans ta vie. Un mauvais pasteur, un mauvais serviteur de Dieu peut aussi, bien-aimé dans le Seigneur, en t'imposant la main, libérer l'envoûtement sur ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens, tu vois, ils entendent un pasteur qui vient dans telle ou telle église, ils courent, et il y a un prophète qui est
là, il court. Oh, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se sont fait envoûter par des impositions de mains. Donc, par l'imposition de mains d'une personne qui n'est pas saine, tu peux aussi, bien-aimé, être envoûté. Au-delà de la maison de ton père, au-delà de l'imposition de mains, l'envoûtement peut provenir aussi de la sexualité. Bien-aimé, tu couches avec une sorcière, tu couches avec un homme qui a un état d'âme compliqué, bien-aimé dans le Seigneur, il peut aussi t'envoûter. Lorsque tu t'as fiancé, son état d'âme est compliqué, ta fiancée peut t'envoûter. Il peut te faire entrer dans un régime d'envoûtement. Voilà pourquoi tu vas trouver que depuis que tu as couché avec tel ou tel garçon, avec telle fille, regardez maintenant ta relation tout autour de toi. Regardez ta relation avec Dieu, regardez ta relation avec tes parents, regardez ta relation avec tes amis, tu vas comprendre quelque chose, que tu es dans un état secondaire d'envoûtement. Donc, bien aimé, par le sexe, on peut aussi être envoûté. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, bien aimé, doit se contrôler. Tu peux être un prédicateur, une prédicatrice, quand en cachette tu couches avec ta copine. Bien-aimé, l'envoûtement peut venir de là et tu deviendras rapidement un problème pour tout le monde. Pourquoi? Parce que à cause de la sexualité, l'envoûtement peut venir. L'envoûtement peut venir aussi du mariage. Lorsque tu te maries dans une mauvaise famille, une famille qui est dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'envoûtement, bien-aimé, en te mariant dans cette famille, tu crées une alliance. Et donc, au travers de cette alliance, ils peuvent t'envoûter. Voilà pourquoi il y a des beaux fils qui se sont fait envoûter par rapport à leur belle famille. Ta belle famille peut t'envoûter parce qu'il y a une alliance qui s'est créée. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi des familles qui vivent sous l'envoûtement. Mais quand tu fais l'alliance par le mariage avec cette famille, bien aimé, tu peux aussi être envoûté. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux aussi être envoûté par les habits, les cadeaux. Par les cadeaux, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi apprenez à prier par rapport à tout ce que vous recevez comme des cadeaux. Une personne qui veut te détruire, qui n'est pas capable de t'avoir, il peut aussi te piéger par rapport à un cadeau. Par rapport à un cadeau que tu reçois, et au travers de ces cadeaux-là, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as porté ces perruques-là, lorsque tu as porté cette chemise-là, lorsque tu as porté cet habit-là, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se sont fait envoûter à cause des cadeaux qu'ils ont reçus. Donc, depuis qu'il a porté les perruques qu'on lui a données, donc, il commence à avoir des vertiges, il ne comprend pas ce qui se passe dans ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu peux vivre un envoûtement tout simplement à cause d'un cadeau, à cause de sous-vêtements qui t'ont envoyé, à cause de soutien-gorge qui t'ont envoyé, à cause, bien-aimé, de tout cela. L'envoûtement peut venir aussi à cause de la nourriture, des aliments que nous mangeons. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit se discipliner en ce qui concerne sa façon de manger. Tu n'es pas obligé de manger partout. Tu n'es pas obligé, bien-aimé dans le Seigneur, de demander à tout le monde, envoie-moi à manger, envoie-moi ceci. Bien-aimé, lorsque sur le plan alimentaire, tu n'es pas discipliné, bien-aimé, beaucoup de gens se sont fait envoûter. Regardez la plupart des gens. L'aliment, la nourriture est un élément d'alliance. La nourriture, tu le manges, mais ça fait affecter l'esprit aussi. La nourriture qu'on peut t'amener, tu vois physiquement, c'est la nourriture. Mais la nourriture, derrière la nourriture, ça peut être l'envoûtement. Laissez-moi te dire une chose. Lorsque Judas Iscariote avait mis la main dans la même assiette pendant qu'ils étaient en train de manger avec Jésus, la Bible nous dit, et le démon entra en lui. Le démon est entré au travers de la nourriture. Lorsqu'il mangeait avec Christ, le démon est entré, bien aimé, dans la vie d'Iscariote, et il s'est levé, il est parti, et jusqu'à ce qu'il s'est tué lui-même. Bien aimé, nous devons faire très attention, surtout quand tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu dois te discipliner. Pourquoi? Par rapport à la nourriture. Tu ne peux pas manger partout. Partout où tu vas, dans toutes les fêtes où tu vas manger. Tu vas dans un deuil, il y a la nourriture. Tu ne peux pas te dire que non, merci. Non, il faut que tu manges toujours. Voilà comment beaucoup de gens bien-aimés, ils ont détruit leur vie tout simplement parce qu'ils aiment toujours manger et ils ne sont pas disciplinés. Là, par la nourriture, tu peux te faire envoûter et tu peux te faire bloquer. Tu arrives dans ton lieu de travail, ton ami, tu ne le connais pas.
Il te donne à manger. Tu ne connais pas, tu ne peux pas dire non. Il faut que tu manges. Et lorsque tu manges, bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment beaucoup de gens se sont fait envoûter. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, l'envoûtement, c'est aussi dans le lieu que nous fréquentons. Il y a des lieux, bien-aimé, quand tu mets tes pieds là, c'est fini. Tu tombes dans l'envoûtement, c'est fini. Il y a des chambres d'hôtel. Lorsque tu vas dormir là-bas, tu tombes dans l'envoûtement. Il y a de maisons. Lorsque tu vas habiter dans telle ou telle maison, tu tombes dans l'envoûtement. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a des gens qui sont passés dans ta maison. Regardez leur vie. Tous, ils n'ont pas réussi. Tous, leur vie est finie. Tout simplement pourquoi? À cause de l'envoûtement. À cause de l'envoûtement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'envoûtement est un élément qui peut aussi te rattraper, qui peut aussi te détruire sans que tu puisses le savoir. Mais comment on se comporte lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, l'envoûtement est en train de contrôler ta vie? La première des choses, une personne qui est sous l'envoûtement, qui va remarquer une chose, ce sont des gens qui n'aiment pas les conseils. Tu peux beau lui donner les conseils, il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état secondaire. Il est sous l'anesthésie, sa conscience est bloquée, il ne va pas écouter les conseils. Une personne qui est sous l'envoûtement, quand tu lui donnes des conseils, pour lui, il le perçoit comme des attaques. Il le perçoit comme tu l'humilies, il le perçoit comme tu l'aimes pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans un monde de destruction. Autodestruction. Il est dans un état d'envoûtement, donc sa finalité, il faut qu'il puisse se détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà parmi les signes qu'on remarque dans la vie d'une personne qui est sous l'envoûtement. Ça veut dire que cette personne-là devient insensible à la prédication, devient insensible, bien-aimé, au conseil. Voilà pourquoi la plupart qui sont dans un état d'envoûtement, ils ne supportent pas l'église là où on prêche la bonne nouvelle. Là où on prêche la bonne nouvelle, ça les énerve. Ils ne supportent pas ça. Ils doivent quitter l'église. Ils préfèrent rester loin de l'église. Pourquoi? Parce que son état ne l'empêche d'écouter la parole de Dieu. Ça l'énerve. Ils ne supportent plus ça. Une personne qui est sous l'envoûtement n'aime pas les conseils, ne supporte pas les conseils, ne supporte pas la parole de Dieu. Une personne qui est sous l'envoûtement, il peut venir à l'église. Pendant que la prière a chauffé, tu vas le trouver en train de somnoler dans l'église. En train de dormir. Il n'a plus, parce que l'envoûtement te retire toute l'énergie spirituelle attachée à la prière. Tu ne pourras plus prier. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Dans nos maisons, il y a de l'envoûtement. Dans nos familles, il y a de l'envoûtement. Il y a des envoûtements, bien-aimés, dans le Seigneur. L'envoûtement est une réalité qui peut ruiner ta vie et qui fait détruire la vie. Et parmi les signes de l'envoûtement, bien-aimés, il y a aussi l'endurcissement de cœur. La dureté de cœur. Une personne qui est envoûtée, il est appelé à s'autodétruire. Donc son cœur sera endurci par l'envoûtement. Son intelligence sera fermée. Il n'aura plus la capacité de réfléchir. Donc tu es bloqué, ta réflexion est bloquée. Tu ne pourras plus pousser ta réflexion loin. Lorsqu'on est sous l'envoûtement, bien aimé, on va combattre tous ceux qui vont venir t'aider. Et tu vas soutenir tous ces gens-là qui veulent te détruire. Donc, ceux qui viennent t'aider, tu les combats. Ceux qui viennent, bien aimé, pour te détruire, c'est eux que tu vas aimer. Voilà pourquoi tu vas aimer. Comment tu peux expliquer? Tu es très sensible aux gens qui parlent en dehors de l'église. Mais par rapport à ton père spirituel dans l'église, tu es incapable d'obéir, d'écouter ce qu'il te dit. Mais ceux qui sont hors de l'église, tu as une certaine sensibilité à les écouter. Tu ne vois pas toi-même que tu es envoûté? Tu ne vois pas toi-même l'envoûtement? Ces gens-là ne prient pas pour toi. Ces gens-là ne gênent pas pour toi. Ces gens-là, ils ne sont même pas capables de couper leur sommeil pour prier pour toi. Mais bien-aimé, quand ils viennent te donner les conseils, c'est eux que tu écoutes. Mais les gens qui sont capables de prier pour toi, tu ne les écoutes pas. Tu es capable de les détruire et de les descendre. Tu ne remarques pas l'envoûtement? Et bien-aimé, pour finir, une personne envoûtée peut aussi aller envoûter d'autres personnes. Lorsque dans ton cercle, dans ton entourage, tu acceptes une personne qui est envoûtée, bien-aimé, une personne envoûtée t'envoûtera. Un mari envoûté t'envoûtera. Une femme qui est sous l'envoûtement t'envoûtera aussi si tu n'ouvres pas les portes. Nous allons prier, bien-aimé, contre toute puissance d'envoûtement. Nous allons anéantir la puissance de l'envoûtement. Nous avons un seul sujet de prière aujourd'hui. Nous n'aurons pas beaucoup de temps, mais nous allons bien prier. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde toi-même ta vie. Regarde ta sensibilité.
au conseil. Regarde comment tu prends de mauvaises décisions dans ta vie. Regarde, bien-aimé, est-ce que tu te sens à l'aise avec la parole de Dieu ou avec les conseils? Regarde l'entêtement et l'endurcissement de ton cœur. Bien-aimé, tu dois t'élever et prier pour ça. Tu dois t'élever ce midi et prier contre toute influence de l'envoûtement dans ta vie. Nous allons prier ce midi un seul sujet de prière. Nous allons prier avec le frère Fernando qui va nous conduire sur la montagne de la prière et nous allons neutraliser la puissance de l'envoûtement de nos vies, dans nos maisons, dans nos mariages. Et